aux femmes. Je vous comprends. Je voudrais dire aux femmes, je vous comprends. Je voudrais dire aux femmes, je vous sens. Je sais. Et nous le savons, au sein du Grand Bassi, que c'est vous qui subissez le plus ardemment, le plus difficilement, les difficultés qui pèsent sur vous à travers les échecs de la politique économique du président Macky Sall. Nous savons que l'échec du PSE, ce sont les femmes qui sentent ça le plus. Puisque c'est vous qui, dans les maisons, à travers la famille, qui vivez le plus les offres et les échecs du plan Sénégal émergent. Nous savons et nous vous comprenons. Nous savons que votre enthousiasme d'aujourd'hui, votre engagement d'aujourd'hui, votre mobilisation d'aujourd'hui ne sont que la tradition de votre détermination à faire du candidat de l'espoir le président de 2019 pour changer le Sénégal. Chères femmes, je voudrais vous dire encore une fois, merci pour votre engagement. Mais nous savons que quand le pays va mal, c'est chez la femme que ça va le plus mal. Puisque le Sénégal va mal, les femmes sénégalaises vont mal. Et comme vous savez que vous avez mal aujourd'hui, et vous savez que la solution, c'est le plan Soukhari Sénégal. Vous savez que la solution, c'est le plan Soukhari Sénégal, qui est le seul plan capable d'être un plan alternatif pour développer le Sénégal. Et personne ne peut développer le Sénégal sans engager le combat avec les femmes du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accepter votre champ, de faire du candidat de l'espoir le candidat du grand parti pour changer le Sénégal. Il reste clair que rien ne peut se faire de grand, rien ne peut se faire de grand, rien ne peut se faire de beau, rien ne peut se faire d'exceptionnel sans les femmes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis la femme sénégalaise au cœur des préoccupations du développement économique et social du grand parti. C'est aussi la raison pour laquelle nous savons qu'en 2019, l'engagement que vous avez pris aujourd'hui, votre détermination, votre enthousiasme à changer le Sénégal marquera à jamais la trajectoire de notre pays et fera en sorte que le candidat de l'espoir puisse gagner et pour changer le Sénégal. Nous savons et nous vous comprenons que malgré votre peine, malgré les sacrifices, vous avez voulu être là aujourd'hui pour m'honorer. Mais en m'honorant aujourd'hui, vous honorez les hommes sénégalais. En honorant l'homme sénégalais, vous savez bien que nous vous devons tous ce que vous avez voulu le plus, c'est-à-dire le développement et l'émancipation de la famille. Nous savons que vous voulez tous, toutes en tant que femmes, de ne ménager aucun effort afin que le tissu familial se consolide. Et on ne peut pas développer un pays sans la consolidation du tissu familial. Mais comment consolider le tissu familial dans un amas d'échecs, un amas d'échecs consécutif à l'échec du plan Sénégal émergent du président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons décidé, dans le cadre du plan Soukhari Sénégal, de mettre la femme au cœur du développement, de mettre la femme au cœur des préoccupations du développement, puisque quand la femme se lève, c'est le monde qui se lève. Quand la femme se développe, c'est la famille qui se développe. Et quand la famille se développe, c'est le Sénégal qui se développe. Madame Djigenou Thiès, Djigenou département de Thiès, Djigenou région de Thiès, Mangi len di gërëm, di len sant di wax né suñu xol sadina. Tay ji li ngeen ñu defal biir Thiès, sant na suñu xol man ak sama délégation. Ñu wax né nak li bettuñu, parce que duñu gulet ñu ñoo Thiès, waye chaque fois bu ñu ñëwé Thiès, dañuy gis moy mobilisation, moy discipline, moy engagement, moy lo nga xamné ni mom ngeen xam pour lepp lo xamné ni war ngeen ko woné pour grand parti jëm kanam yeen ngi koy def suba ngone bu nek beccal ak sen goor comme tay ji bu parti bi accepté ñew fi le 8 mars pour célébrer la femme dama len di wax jërëjëf
Mais particulièrement à Djigenou Diobas.